Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle et dernière vidéo. Alors, pas dernière vidéo de la chaîne, mais dernière vidéo de la playlist Rupture LCA. Et oui, parce que aujourd'hui, je vous dis clairement que je suis complètement guéri. Mes douleurs de genoux, j'en ai presque plus. Alors, oui, certes, j'ai des petites gênes parfois, mais je peux faire n'importe quel sport. Je peux courir, je peux faire des déplacements, je peux faire de la gymnastique comme je le veux. C'est-à-dire que je peux faire exactement tout ce que je faisais avant. Et quand je vois que je suis passé 3 fois sur billard avec une première opération sur le LCA gauche, une deuxième sur le ménisque interne gauche et une troisième sur la re-rupture de ma plastie à gauche, donc 3 fois sur la même jambe, je me dis, il est temps que ça s'arrête. Hein. Je regardais une vidéo la dernière fois, ça faisait 5 ans que je me suis fait opérer, donc la première fois du LCA. Et du coup, je me dis que là, depuis ces 5 ans, aujourd'hui, en fait, je suis exactement le même. C'est-à-dire que ces trois blessures, alors certes, ça a été compliqué, j'ai passé des périodes difficiles, mais qui m'ont aussi apporté. Mais physiquement parlant, écoutez, je vais vous dire un truc, c'est que je me sens limite plus fort qu'avant, parce que je sais que j'ai récupéré totalement de mon genou. Alors, il y a toujours ce petit déficit musculaire au niveau de la jambe qui est visible, mais au niveau force, j'ai absolument pas perdu de force. Et donc ça, pour moi, c'est une réussite. Mais cette réussite, je la dois pas qu'à moi, en fait. Je la dois à vous qui m'avez accompagné tout au long de ma blessure, à m'écrire des petits commentaires sur vos ressentis, ce qui m'a aussi aidé à ajuster certaines choses. Et je trouve que ce qu'on a créé à l'intérieur de cette chaîne, le fait de se parler et d'exprimer l'expérience de chacun, ça fait avancer tout le monde. Et je trouve ça vraiment super. Un grand merci également à ma famille, à mes amis, à ma chérie aussi qui m'a accompagné donc tout au long de cette blessure. Les 2 semaines après l'opération, je peux vous dire que si elle n'avait pas été là, ça aurait été très compliqué. Merci également au staff médical, hein, le chirurgien, le kiné, le réathlétiseur, l'ostéopathe, l'entraîneur qui m'a permis aussi de reprendre mon plus haut niveau. Merci également à mon frère qui m'a été d'une grande aide pour les montages. Et un petit clin d'œil à Gonzague TV que vous connaissez sûrement parce que c'est un youtubeur assez réputé. Et il m'a été franchement d'une grande aide hein, sur comment justement lancer cette playlist, donc un grand merci à toi. C'est un grand merci général qui pour moi aujourd'hui est très important parce que autant mentalement que physiquement, je me sens vraiment super bien. Donc pour vous remercier, je vous propose qu'on se fasse un petit direct tous ensemble. Donc je vous donnerai rendez-vous le mardi 2 juillet à midi. Vous pourrez me poser toutes les questions qui vous passent par la tête, j'essaierai d'y répondre le plus clairement possible et j'espère que je pourrai vous aider. Sinon, je voulais également aussi vous parler des programmes de réathlétisation parce que vous étiez plusieurs justement à m'en demander. J'ai aussi suivi plusieurs personnes d'entre vous sur ces programmes-là. Après, ce qui est compliqué, c'est que je ne peux pas faire du groupé. C'est-à-dire qu'en fait, ces programmes, ils sont vraiment individualisés en fonction de chacun. J'ai une base de travail sur la réathlétisation qui est très importante. Mais comme vous le savez, à chaque fois je le répète, hein, chaque personne est différente et récupère de manière différente. Donc forcément, je ne peux pas faire la même chose pour tout le monde. Et en fonction aussi de la technique opératoire que vous avez eue, je dois m'adapter par rapport à ça. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter plutôt via Instagram. Donc je mettrai le lien ici, vous m'envoyez un petit message privé et je réponds plus facilement par là parce que je suis assez actif sur ce réseau. Et dans quelques temps, mon site internet sera mis à jour. Donc vous pourrez aussi également me contacter par mail si ça vous intéresse. Voilà les amis, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc si mes vidéos ont pu vous aider, lâchez un gros pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Donc n'oubliez pas, on se retrouve le mardi 2 juillet à midi pour un live. Je répondrai à toutes vos questions. Et vous savez que même si c'est la fin de cette playlist Rupture LCA, je continuerai à répondre à tous les commentaires qu'il y a en dessous de mes vidéos. Encore un grand merci et continuez de me suivre parce qu'il y a des projets qui vont arriver très prochainement. Je peux pas vous en parler tout de suite, mais je peux vous dire que ça va être super cool et j'ai hâte de vous faire découvrir tout ça.
de positif, les amis. À très bientôt, les amis. Et n'oubliez pas une chose, c'est qu'on avance ensemble et qu'on reste positif.